Pose une petite question, mais ça tire pas à conséquence. Non. Bon, d'ailleurs, vous ne tirez plus à pas grand chose. Si vous ne tirez même plus à conséquence, alors quand le faites-vous? Il est en train de boire sa petite tisane. C'est madame le prieur d'Agon-Coutainville. C'est pas une tasse, c'est sa baignoire. C'est sa baignoire. Qui nous propose la première citation. Qui a dit « Les majorettes, c'est comme les grenouilles. Il n'y a que les cuisses qui comptent. » Frédéric Dard. Non. Oh. Jean-Yann. Yardac. Moi, les majorettes. Ah, moi, j'adore la majorette. Non. Ah, quand on retire les bottes. Mais pas la majorette. Pas trop. Moi, j'aime bien. Un peu maigre pour vous, peut-être. Non, non, c'est non, un peu militaire. Oh. Oh. Moi, j'adore les majorettes. Je leur fournis le bâton. On les voit, hein, sans toute plaisanterie. Il est vivant, votre monsieur, là? D'abord, c'est pas mon monsieur. Et puis ensuite, il se porte bien, oui, merci. Il est vivant? Vivant et drôle. Je pense que de nous cinq, il n'y a que Monsieur Yann qui le connaisse. Ah. Et encore, n'en suis-je pas sûr. Ah, c'est un Américain, c'est Woody Allen. C'est Woody Allen. Ah. Bonne réponse, Dessim. Quand c'est un Américain. Alors, vous le connaissez? Non. 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 C'est faux, vous vous êtes raté, deux grands comiques qui s'ignorent comme ça. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez, ça peut venir encore. Ouais. L'abbé Pierlot de Méhold propose... Il est américain? La deuxième, oh non, il a... Non, c'est parce que je vous aurais répondu... Chez nous. L'abbé Pierlot, il est français, lui. Oui. Non, mais le type qui a fait la citation... Qui ça? Le type, là... Le type qui va faire la citation, il est français? L'abbé machin. L'abbé Pierlot. Non, la citation de l'abbé Pierlot, il est français, le type. C'est Woody Allen qui fait la citation? Non. Attendez, le mec qui a fait la citation, vous allez nous dire, c'est un français? Attendez, je vous la dise, la citation. C'est un français? Oui. Il est mort? On l'a jamais cité. On l'a jamais cité. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut, ce monsieur? Mais alors, il triche? Il voudrait... Expliquez-vous, parce que c'est flou, tout ça. Il voudrait que je donne lecture de la citation qu'il a bien voulu. Non, mais enfin, c'est pas long à faire, ça. Vous pouvez le faire, ça, de lire le truc. Vous dites quel est le type mort qui a dit ça, et puis nous, on vous dit non. Si vous voulez, je vous propose de ne pas donner la citation, et puis vous me donnez des noms. Voilà. C'est un français? Alors, c'est un français. C'est Gay-Lussac. Non. Attendez, il a écrit un bon livre? C'est dommage que je vous donne pas la citation, parce qu'elle est capable quand même de vous... Pour une fois, de vous aider à trouver la bonne réponse. Allez-y. Qui? Je ne suis qu'un petit garçon qui s'amuse, doublé d'un pasteur protestant qui l'ennuie. Bon, ben ça. Ben mes enfants. C'est Godard. Mais non. Non, il y en a qu'un. Ça pourrait être Godard, pasteur protestant. Il est Godard. Mort. Hein. Ben oui, il est mort, c'est en anglais. Mort. Non. C'est pas l'auteur de Alice au Pays des Merveilles, Fifi? Non. Et c'est celui-là que je suis le seul à connaître, moi? Ah non, c'était. Non, c'est. C'était le précédent, c'était Woody Allen. C'était celui d'avant. C'est un pasteur. Redites voir ce que vous dites, là. Oh là là. Je ne suis qu'un petit garçon qui s'amuse, doublé d'un pasteur protestant qui l'ennuie. Il ennuie le petit garçon. Oui. Éric Satie? Non. Est-ce qu'il a sa rue? C'est un anglais? Non, un français. Oh, il doit avoir une rue. Mais enfin, il n'était pas en odeur de sainteté, hein. Il peut être avoir. C'est un humoriste français? Oh, pas humoriste du tout. D'ailleurs, quand on voit ses photos. Ça veut rien dire. Il a été photographié quand même. Il a été photographié. Ça veut rien dire, ça vous savez. Mais il est mort quand, monsieur? Ce monsieur a dû mourir vers 1955-56. Oh, mais alors dis-moi, mon Swift, c'est dans quoi, ton homme? Dans la littérature? Ta gamine. Dans la littérature. Elle faisait dans les... C'était pas une marrante. C'était un grand. Dis-moi, elle n'était pas un peu chrétienne comme philosophe? C'est pas la robe, chérie? Non. C'est pas la Claudel? Non. C'est pas la Gilles? C'est pas la Gilles. La merci. C'est Gilles. C'est la Mère Gilles, je te l'avais dit. Bonne réponse à Jacques Martin. La vieille Gilles, elle est horrible. C'est bien la grosse Gilles. La grosse Gilles. Qui a essayé de te toucher pendant que tu jouais du piano. Oh, la Gilles. Elle perdait ses paires de ciseaux partout pour mettre ses ciseaux. Elle perdait pas que ça. Ah oui. Quand la Gilles, elle a monté en l'an, quand elle drague.